Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un de mes livres de coloriage. Donc aujourd'hui, ça sera Babies, donc des carrés d'art thérapie d'Hachette Hero maintenant. C'est Hachette Heroes, voilà la collection. Donc voilà, petit carnet pratique. Enfin, on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, je vous invite à appuyer sur pause si vous trouvez que je vais trop vite. Si vous avez certains dessins que vous voulez voir un peu plus en profondeur, voilà, donc on commence tout de suite. C'est pas vraiment écrit savoir combien il y en a en fait. On va y mettre 100. 100 illustrations originales et pleines de douceur pour redécouvrir les bébés les plus craquants de l'univers Disney. Voilà, donc ça coûte 5,95€ si vous les achetez en grande surface, Géant, Auchan, enfin voilà, Leclerc, vous avez 5% en moins. Alors, on va feuilleter ça ensemble. Celui-ci, je ne l'ai pas commencé du tout, du tout, du tout. Là, en ce moment, j'ai vraiment du mal à trouver du temps quand j'ai bébé. Voilà, c'est problématique. Donc, c'est classé par... Il y a différents chapitres, en fait. Il y a bébé animaux, il y a bébé et enfant humain, parents et enfants, amis et compagnons de jeu. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les bébés animaux. Forcément, hein. Voilà, la porcinée, hein. Hop, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc ça peut être très graphique, ça peut être très joli. Hein. Avec les fonds. Il y en a certains, je les connais même pas. Vu que je suis complètement à la ramasse niveau Disney. Mais bon, ça je me remettrai à jour avec Bibou. J'ai toujours pas fini avec ma période Winnie, bien entendu. De très jolies choses avec des fonds un peu plus foncés, des dessins un peu fluo, enfin faut voir. Je pense que les fonds m'interpellent pas mal, on peut vraiment faire de belles choses. Jusqu'à laisser, enfin, lui mettre juste sa robe peut-être de couleur, le nœud, ou enfin voilà. On peut faire. Bon, comme d'hab, hein, c'est du Hachette, donc le papier est relativement épais. Voilà, feutre avec crayon de couleur, ça passe. Donc là, on attaque les bébés et enfants humains. Par exemple, lui, je vois pas d'où il sort. C'est un Disney que je connais pas, ça. Je connais forcément de nom. La Miss, là, c'est pareil. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Celui-là, c'est. Je connais pas non plus. Ça je connais. Ça me dit quelque chose aussi. Oh, petite fille, là, je vois pas. Bah, même ici, quand même. Je sais pas. C'est Peter Pan. C'est dans Peter Pan, ça. Il me semble. La fille inculte. Ça c'est dans... C'est les monstres et compagnie, non? Je trouve que je dis n'importe quoi. Parents et enfants. C'est tout mignon. C'est tout choupinou. Ah,
Amis et compagnons de jeu. Ouais, je suis folle. Je suis folle. J'essaye de faire un coloriage en accéléré pendant un demi-jour de congé là. Faudrait. Avec les effets crayons. J'aime beaucoup ça, je vois pas ce que c'est non plus. Merci Chippy. Il essaie de manger son bout de pain. Petit kit de papeterie à personnaliser. Voilà, on a, vous avez les petits carrés à colorier et vous pouvez voilà, ensuite les offrir. Mais bon, c'est pas prédécoupé. C'est dommage. Ça aurait été prédécoupé, ça aurait été sympa. Parce que là, il faut bien, voilà, faut bien couper droit, faire ça proprement. Voilà, après vous pouvez mettre des petits modos et les offrir. Donc voilà, on retrouve. Planche. Donc là c'est un peu plus pour faire des marque-pages, je dirais. Celui-ci aussi, hein, vous voyez. Mais bon, c'est pas très très bien délimité, mais voilà, c'est pour vous faire des marque-pages. Vous avez trois frises si vous voulez sur un thème différent. Trois frises pour pouvoir faire des marque-pages. Je pense. Enfin, moi, c'est l'utilité que j'en ferai. Hein. Et, je trouve ça pas mal. Mais bon, il faut pas se louper niveau voilà, des ciseaux, quoi. Vu que moi, je suis pas très très douée. Donc voilà pour ce petit livre d'art thérapie pour adultes. J'ai hâte de m'y plancher et j'avais pas vu quand je l'ai acheté finalement la partie papeterie au fond et je trouve ça vraiment top. Donc pourquoi faire un coloriage en accéléré sur un petit marque-page là, et voilà. Je pense que je vais peut-être me faire ça très prochainement. Comme ça me fera mon prochain marque-page pour ma prochaine lecture. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà chez vous ou si vous êtes intéressé, si. Cette vidéo vous a servi parce que bon, certaines n'ont pas forcément le temps d'aller voir en magasin ce qu'ils donnent et sur internet vous pouvez pas vraiment feuilleter, donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous... Merci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.